16 novembre 1976, entre Quimper et Paris. L'arrivée de l'enfant a été dure pour la mère. Enfin, il est là, bien portant, vigoureux, déjà il rue, il crie, il veut vivre. Ses yeux sont bleus, avec du vert dedans, et je le vois puissant, calme, raisonnable et surtout poli. Car moi, la politesse, surtout dans la chicane, m'a toujours étonné. Tirer les premiers messieurs les Anglais, non, pas jusque-là. Mais un peu mousquetaire, bûcheron et poète. Enfin, le fils est là. Lui reste à étudier, comparer, discuter les pensées dans les livres, les visages, les lunes, les voisins, les jardins. Lui reste à se pencher sur celui qui demande et à se redresser devant celui qui donne. À ne rien accepter de facile, de gratuit, jamais oui, jamais non. Plus souvent non que oui. Voilà comme je le vois, étudiant jusqu'au soir de sa vie, couvrir ses petits-fils de lainage, de patience et d'humour. Cette arme pour le voyage qui est la plus utile. Tu es chez toi, enfin. Vis, joue, sais les choses. Ne me remercie pas. Que tu vives, comble mes jours de joie. Bon voyage à toi et à ta descendance. Je pense si après ça, ils vont continuer de l'appeler le Canadien là-bas. Non, vieux, ça me fait plaisir de vraiment de t'avoir fait goûter ça, parce que je pense que dans ma vie, là, jamais il m'a été donné d'entendre quelque chose d'aussi lumineux, d'écouter quelque chose d'aussi parfumé. C'est du sapinage, en quelque sorte. Bon, dans, il y a eu assez de patinage ici pour qu'on puisse se permettre, là, une fois pour toutes, j'espère, d'écouter, puis de respirer surtout là, quelque chose de différent. Tu sais, que cette espèce de senteur qui se dégage de tous ces scandales avariés qui nous chatouillent les narines aussitôt qu'on se met à brasser notre passé. Qu'est-ce que tu veux, on s'est donné comme mission de réveiller un pays qui se sentait bien au chaud dans une maison où le feu était pogné depuis un bon bout de temps. Non, je pense vraiment que le 15 novembre dernier, là, le peuple québécois a crié un grand « au feu collectif ». Le monde a appelé les pompiers, puis nous voilà. Nous voilà. Pas seulement pour éteindre le feu, là, aussi pour débarrasser le pays de ses ruines, pour faire un grand ménage. Mettre la hache également dans le décor pour empêcher les flammes de tout avaler. On est là aussi, je crois, pour rebâtir un pays. Puis quand je dis « on », là, ça n'exclut pas la personne qui parle. Mais c'est vrai quand on y pense, là, qu'il y a des rêves qui sont en quelque sorte l'oxygène de l'espoir. Des rêves qui sont créateurs d'énergie. Des rêves qui... Écoute, je te parle de rêves, puis ça me donne quasiment le goût de... Tu sais, vieux, j'ai pas la réputation d'avoir la confidence facile, mais depuis le 15 novembre, toutes les nuits que le Créateur m'amène, je fais le même maudit rêve fou. J'aimerais ça te le raconter, mais auparavant, il faudrait que je te dise trois choses essentielles en partant. D'abord, on n'est pas responsable de ses rêves. Non, je voudrais que ce soit très clair, là. Puis deuxièmement, ben, je te raconte pas mon rêve pour que tu me l'expliques par après. Troisièmement, ben, j'aimerais ça que ça reste entre nous. Je voudrais pas que la province tout entière le vive un cauchemar en pensant que son premier ministre part en peur aussitôt que sa tête touche l'oreiller. Okay? Bon, je vais te le raconter. Depuis le 15 novembre, toutes les nuits, c'est sensiblement le même rêve.
Ça commence justement comme ça. Je suis à la porte d'une espèce de château. On m'a convoqué. Il y a quelqu'un qui m'attend. Je sais pas qui, mais c'est important que j'y sois. J'ai pas le choix, de toute façon. C'est comme si c'était la chose la plus importante de ma vie. À un certain moment donné, tout devient noir. C'est à ce moment-là que je frappe 3 coups. En tout cas, 3 ou 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoutez, je voudrais savoir qui c'est qui m'a mis cette espèce de jaquette sur le dos puis cette sorte de couronne sur la tête, là. Écoutez, j'ai pas de temps à perdre, moi. Parole de Charbonneau pour un Québec nouveau, c'est René Lévesque qu'il vous faut. Qui c'est qui a dit ça, là? Jamais je croirais que je suis pris dans cette espèce de château avec comme seul interlocuteur un perroquet. Écoutez, là, je vois personne. Bonsoir, Monsieur l'évêque. Vous savez, le rouge vous va ravir. Comment ça va? Oh, salut, pète. Si je comprends bien le gag, là, c'est toi qui m'as convoqué ici, puis c'est toi qui m'as déguisé de même, là. Si je peux me permettre, le rouge te va très bien à toi aussi. Parole de Moineau, pour un Canada nouveau, c'est Trudeau qu'il vous faut. Tu vois, René, je me suis grillé d'un moineau, moi aussi. C'est amusant de constater que même nos moineaux n'ont pas le même langage, non? Hey, j'ai pas de temps à perdre en niaiserie, là. D'ailleurs, je me sens mal à l'aise dans cet outfit-là. Puis pour ce qui est des perroquets, ben, je m'en passerai volontiers. Du calme, René. Faut maintenant que je te dise que ton rêve va falloir que tu vives par étapes. Les rêves par étapes, ça devrait pas te faire peur, hein, René? D'accord, suis-moi. Regarde. Voilà l'échiquier tel qu'on l'a laissé Boubou et moi lors de la dernière partie. Disons que ça a créé son camp un petit peu plus vite que prévu, mais en tant que son successeur, ce sera à toi de jouer. Auparavant, j'aimerais que tu me lises le petit papier qui se trouve ici. OK. Je, René Lévesque, jure d'être fidèle et porter sincère allégeance à Sa Majesté la Reine du Carnaval de Québec, à son bonhomme carnaval, à ses duchesses, ainsi que le Père Noël me soit en aide. C'est-tu tout, là? C'est tout. C'est à ton tour, René. Vas-y. OK, j'attaque. Ah, fuddle-duddle. Au prochain coup, Monsieur l'évêque, vous allez perdre votre reine. Ben, tu sais, ma reine, entre toi et moi, j'y tenais pas plus que ça. Tu vas la perdre quand même, René. Tu me voyais pas venir avec mon fou? Ça se donne que oui. Mais t'oublies une chose essentielle, là, c'est mes pions dans ton royaume. Joue. D'accord. Hey, ça va-tu prendre un autre 100 ans avant qu'il se passe quelque chose, là? Joue! Écoute, René, on prend un break. Si ça fait mieux ton affaire pour tout de suite, mais dis-toi que cette partie-là, là, je compte la terminer une fois pour toutes d'ici 2 ou 3 ans maximum. C'est toi qui le dis, René. Parole de Charbonneau pour un Québec. Ça va faire Charbonneau. C'est moi le chef. Est-ce que je pourrais maintenant me débarrasser de cet accoutrement ridicule? Non, pas tout de suite.
Je vais vous laisser, monsieur l'évêque, aux bons soins de Jean-Pierre Ferland, qui a pour mission de mettre votre humilité à l'épreuve. Ce sera votre deuxième étape. Au revoir, René, et merci pour la belle docilité. T'es notre amour, notre idée maîtresse. T'es tout ce qu'on veut, t'es tout ce qu'on a volé. T'es la lumière dans la détresse. Et plus ça va, et plus que notre ami. T'as la foi, tu sais ce que tu veux. T'es le plus grand, le plus fort. T'as pas froid aux yeux. Oh, que ça fait donc du bien de te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Non, écoute, Jean-Pierre, là, je suis bien prêt à vivre toutes les étapes de mon rêve. Il y a toujours une maudite limite, là. Monsieur le Premier ministre. Oui. Monsieur le Premier ministre. Oui. Je m'excuse. C'est moi, Pierre Lalonde. J'ai été choisi comme arbitre de cette deuxième étape qui mettra à l'épreuve votre légendaire humilité. Je dois d'abord vous dire que vous n'avez pas le droit d'intervenir du tout, du tout, du tout, du tout. Même pas un petit peu. Monsieur l'évêque, je vous le dis, là, votre humilité n'a pas fini d'en prendre un coup. Donc, je suis habitué. Alors, on exige le silence. D'accord. Bon, ça marche. Alors, j'aimerais remercier Jean-Pierre Ferland. C'était vraiment senti, ça venait du fond du cœur. C'était pas mal carré. Alors, monsieur l'évêque, je vous présente à l'instant le deuxième invité, Michel Rivard, vous connaissez? L'auteur du FAC de Beaudommage. Scarac, Michel? Scarac. J'ai pas rêvé, j'suis avec toi, j'suis comme au ciel, grand malin. Écoute mon baratin, t'es ma fenêtre, t'es mon autoroute, ma lune de miel, ma colombe, mon ours blanc. Le roi de toutes les patates, toutes les vêtements. Vas-tu chausser les patins? Me semble que tu vas scorer. J'suis allé à l'oratoire, tu ressembles au frère André. Avec toi, je me sens en sûreté. Dans tes yeux jouer toute la terre. J'oublie ma job, j'oublie de m'en faire. J'entends des petits oiseaux. T'es notre modèle, t'es notre héros. T'es notre modèle, t'es notre héros. Écoute, Michel, là, j'ai toujours pensé que t'étais un gars sérieux. J'ai rien personnellement contre le frère André, là, mais tu sais, il y a toujours un bout de se faire garrocher des fleurs de la sorte. Non, attention, M. Juste... l'évêque. Oui, mais... attention, on oui, achève, là. Oui, mais ça... Carré? Non. Ce sera pas long, ce sera pas long. Vous savez que si vous pensez pas à cette deuxième étape, je vais être obligé de vous réveiller. Non, non.
Bon. Donc, watch out. Attention. Le troisième invité, Serge Fiori, du groupe Harmonium. Justement, il y aurait deux mots. Ça sera pas là. Je veux dire qui c'est toi le plus fin. Yeah. Si t'es rêve, réveille-moi donc. Ça va être notre tour, ça sera pas là. Je veux dire qui c'est toi le plus fin. Je veux dire qui c'est toi le plus fin. C'est un rêve, réveille-moi donc. Ça va être notre tour, ça sera pas long. Je veux dire qui c'est toi le plus fin. Voulez-vous me dire où il est passé? Comment se fait-il qu'il m'a pas vu, bon, danse? C'est parce qu'il chante toujours les yeux fermés. Il a l'air désespéré, jeune homme. J'aurais souhaité pouvoir faire quelque chose pour lui, bon, danse. Mais là, je suis tanné de cette sorte de vision de saint homme. Je commence à voir mon voyage. Monsieur le premier ministre, je vais être obligé de me choquer fort, fort si vous ne calmez pas vos transports. Bon. On continue la deuxième étape avec Yogurt Luar, Raoul Duguay. J'étais bien toute près de toi. J'étais prêt à vous rencontrer sur le chemin de votre vie. J'avais perdu le temps de vivre. Vous arrivez à temps me donner le temps d'aimer, vivre avec vous. Tu as tracé, René, notre chemin. Bravo, bravo, bravo. Raoul Duguay. Vraiment spécial, hein? Fantastique, n'est-ce pas, René? Pourrais-tu savoir à quand la troisième étape? La troisième étape? Mais vous êtes déjà rendu dedans. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ce que nous venons de voir était vraiment digne des joyeux troubadours. Sacré René va. Eh bien, maintenant, ce sera au tour des contestataires. Plume la traverse, bien sûr. Sonny Turcotte, évidemment. Mais pour commencer, Lucien Francoeur. Ça, c'est vraiment autre chose. Ce sera une manche difficile, évidemment, mais digne, Monsieur l'évêque, de vos talents de retenue et de pondération. Bonne chance, René. Thank you.
fais pas. Ton langage m'a dit pas là. René Lévesque, nous autres les poètes du désespoir, on veut rien savoir. Pour nous autres, t'es notre parc-palement politique, notre chambre des horreurs pis notre cynique, notre grève permanente poignée dans le ciment, notre désassurance sociale, notre chèque d'assurance chômage chromé. Notre grand-papa du folklore encadré, René Lévesque, on veut rien savoir. Faut-tu que je te fasse un dessin? Faut-tu que je te fasse un dessin? Sans dessin! C'est une canne à p'tain, je m'appelle Sanin Turcat, tu veux dire? Ah, c'est pas grave, moi je te connais en esti, les gars. moi, René, faut que je te dise que l'année passée, là, moi, ici, je suis débarqué du système, tu veux dire? Moi, j'ai tout compris, je me suis dit, fuck, man, dans le système, dans le cul, tu veux dire? Man, hey, je suis parti l'année passée avec mes trois chums, tu sais, on était à quatre. On était allé à Calcutta, tu sais. On est allé dans les Indes. Fuck, man. La trip au bout, là, tu sais, la trip pas possible, là, tu sais, tu veux dire. Man, le paradis terrestre, tu sais. Man, du stock pas possible, man. Du Népalais, du Pakistan, hein. Ça nous a quasiment pas coûté un cent, tu sais, là-dessus. Hey, man. Hey, ça faisait pas deux jours qu'on était rendu là, mais on était à Stone, tous les quatre, tu sais, tu sais. On flashait sur toutes les mêmes maudits affaires. Puis, à un moment donné, on était assis tous les quatre ensemble, tu sais. On se regardait, puis, tu sais, on a flashé en même temps, puis on dit, avec le geste, tout, on s'est dit, tel système, dans le cul, tu sais, tu sais. Ah, le voyage a bien commencé. En arrivant à Calcutta, tu sais, à bord de l'avion, on avait rencontré quatre filles pas mal au bout, tu sais, quatre filles correctes, tu sais, quatre plates de Toronto, tu sais. Fuck, man, la party tous les soirs, tu veux dire, hey. Eux autres, tu sais, c'était les filles de, étaient encore dans le système, tu veux dire, le gros trip à Sheraton, Hilton, tu sais, le gros hôtel tout blanc, le 20 étages, là, pis, fuck, man, l'air climatisé, la frigidaire et tout, là, une suite, tu sais, man, on est jamais jusqu'à 5-6 heures du matin, le party, fuck, man, tu sais, veux dire, c'était cœur, hein, c'était cœur. Ça a duré un mois. Un petit party, tu sais. Au bout d'un mois, les filles sont parties, tu sais, ils sont parties en Australie. À nous dire, on ne savait pas qu'ils sont allés, ils l'ont dit juste la veille, tu sais. Fait qu'on n'a pas les visas puis toute la kit de système, là, tu sais. Fait que les filles sont parties, vont être tout seules, tu sais. Puis là, on avait un petit problème d'argent parce qu'on ne savait pas comment on allait, tu sais, payer tout ça. Les filles ont été carrées. C'est ça, je te dis, t'es au pot. Ils savaient que nous autres, on était débarqués du système pour de bon. Fait qu'ils ont payé pour nous autres tout le temps. Tu sais, veux dire? Fuck, man, t'es le système. Dans le cul, tu sais. Oh, man. Hey! Faut que je te dise ça, René, ils connaissent ça à dope en Asti là-bas. À Calcutta, ah, man, tout le monde est stone tout le temps là-bas, ça n'a plus de sens, tu sais. Vas-y, la mort, je vais te donner un exemple. Là-bas, fait tout le temps beau, tu sais, vas-y, fait tout le temps soleil, tu sais. Fait qu'il y a du monde qui vit rien que dehors. Ah, ils n'ont même pas besoin de maison, tu sais, vas-y, c'est carré, ça. Il y en a à peu près 200 000 à Calcutta. Ils vivent dehors, tu sais, man, tu sais, t'es parti comme ça, un trip d'acide, man, une bad trip, man. Ça se traîne à terre, c'est un trottoir, man, quand il y a des trottoirs, tu sais.
À moitié tout nu, c'est juste des couches de hair à main, là. Fuck, t'es parti. C'est vrai qu'il a pas l'air à manger beaucoup, ce monde-là, tu sais, vas-y, mais... Ils doivent talker en esti, hein, le gars. Tu sais, vas-y. Alors, à un moment donné, tu sais, les filles, t'as parti, tu sais, t'as parti, il y avait splitté. Fait qu'on savait pas quoi faire, tu sais, on a commencé à s'ennuyer. Mon chunk a toutes les flashs les plus grandes, il dit, « Man, Sonny, hein, si tu te passes à faire, ici, on est à Calcutta, man! » Fait qu'on s'est acheté du stock bien cheap, tu sais, il y avait rien là. On revendait ça aux touristes américains qui passaient, c'est 10-15 fois le prix. Les hosties niaisées achètent d'un bar à quoi, tu sais, je veux dire. Ils checkent pas rien, tu sais, ça va avec. Fait que, tu sais, je veux dire, man, on s'est fait assez d'argent qu'on savait plus quoi faire avec, c'est carré. Fait que quand on est venu ici, nous en restait pas mal. Fait que mon chum, toi, la même, il y a toutes les flashs. Il dit, Sonny, man, on s'en va en campagne, on s'achète une terre. Tu sais, veux dire, je comprends. Tu sais, veux dire, la ville, c'est le système, c'est fini, ça, man. Tu sais, veux dire, la pollution, le bruit, tu sais, veux dire, le monde pogné, les bébêtes dans la terre. Tu sais, veux dire, fuck, direct à la campagne. Hey, man, on s'est trouvé la terre, man, la pause. Tu sais, veux dire, t'as dit comment qu'elle est grande, la terre, là, tu me croiras pas. Ben, je le sais pas parce que j'ai jamais marché jusqu'au bout, tu sais, veux dire. Ben, elle a au moins 1,5 mille de longueur, par 1,5 mille de large. Une affaire en main. Pas de voisin, rien, tu sais, veux dire, la paix, tu veux dire, la place pour faire pousser notre porte tranquille, tu sais. En dehors du système, tu veux dire. Mais ça, c'est rien, la terre, man. C'est la cabane, tu devrais avoir la maison. Fuck, 10 appartements, les maps dedans, là, tous les tapis, les cuillères, tout. Tu sais, veux dire, peut-être qu'on l'a eu. Parce qu'il y avait un petit problème. C'est ça, il y avait un petit problème quand on l'a acheté à la maison, c'était le toit qui coulait. Tu sais, veux dire. Alors, c'était pas grave au début, mais c'était fuckant, tu sais, à un moment donné. Au bout de 2 mois, on était tanné de toujours vivre du même bord à la maison. Tu sais, voilà. Fait qu'à un moment donné, mon chum, il dit, man, j'allais le flash. C'est-tu ce qu'on a entre les mains, s'en est, il me dit, en moi. Tu veux dire, il dit, regarde la maison, c'est une cabane canadienne. C'est un monument historique, tu sais, veux dire. Il y a de l'argent pour réparer ça. Rien qu'on voit un projet à Québec, tu sais, va dire, 3 copies au ministère, là, tu dois connaître ça, Rani. Ben, on a envoyé le projet 3 copies. Les hosties de fois à Québec l'ont accepté, tu sais, va dire. Mort de rire, fuck, le chèque s'en venait, tu sais, va dire. Puis là, ben là, on avait juste un autre petit problème, c'est qu'on savait pas comment la réparer, on n'avait pas l'expérience, tu sais, va dire. Ben, on était un petit peu pogné. Fait que mon chum, t'as la même. Il est revenu un samedi midi, il était allé au village acheter des affaires. Il est revenu avec 10 jeunes. Là, ils ont tout réparé à la maison. Ils ont pris tout l'été, là. Ils ont tout réparé à la maison. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe, là, en dehors du système. C'est comme un échange. Tu sais, veux dire. Veux dire, les autres travaillaient sans maison, restaient jamais avec nous autres. Tu sais, veux dire. Il y en a qui restaient chez nous, tu sais. On mangeait leurs légumes, fumait notre pot, tu sais, veux dire. Un échange, tu sais. En tout cas, moi, je suis débarqué du système, année, puis je suis bien. Tu sais, je suis pas mal bien. Mais toi, je te regarde aller, l'année, puis là, tu viens d'avoir le pouvoir, là. Pas certain que t'as fait un bon deal. Tu sais, veux dire. Non, toi, puis moi, je vais te le dire. Tu sais, moi, je suis bien connu pour mon franc-parler. Tu sais, veux dire. Je vais te le dire. Pour moi, le pouvoir, c'est comme un gros bol de toilette, tu sais. Non, force-toi pas, tu vas comprendre, tu vas voir. Puis tout le monde qui s'assied sur un bol de toilette, tu sais, ben, c'est tout pour faire la même affaire, tu sais, veux dire. Alors, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Puis ça, je me dis, dans le fond, la politique, là, man, c'est de la merde, tu sais, veux dire. Non, fâche-toi pas, Nani, c'est correct, c'est cool, c'est correct. Tu fais ton trip, je fais mon trip, tu sais, y a rien là, man. Y a rien là. Ah, il faut que je m'en aille, René. Avant de partir, tu veux-tu toquer un peu? Tu as un joint? Il s'est dit local, il est pas fort. Hein? OK, c'est correct, man. Tu fais ton trait, je suis à mon trait. Alors, gars, avant de partir, il faut que je te dise ça, que moi et mes 3 chums, dans 2 semaines, on repart, on descend en Colombie. Ouais. En tout cas, René, si jamais d'ici 2 semaines, t'avais le goût de débarquer du système, là, tu sais, veux dire, mais pas de bon, là, ben, je veux dire, tu sais, on me rejoint, tu peux descendre avec nous autres, tu sais, veux dire. Il paraît qu'il y a un petit passe à faire, là, man, tu sais, veux dire. C'est un de mes chums qui travaille des fois pour la RCMP qui m'a passé le tuyau, tu sais, veux dire. Ben, ils sont assez chiens quand ils veulent, t'as aussi bien en profiter, hein? Fait que, pense à ça, l'année d'ici 2 semaines, dis-toi ça souvent. Teins le système.
gagner tes épaulettes. C'est à cause de la grosse paillette. Quel calvaire. Tu peux rien décider sans elle. À tes crasses de ses mamelles. Quel calvaire. Ton idée d'indépendance, moi je l'ai où ce que tu penses. Quel calvaire. Moi m'a dire ton référendum, tu peux te le mettre dans le rectum. Quel calvaire. Quel calvaire, calvaire, calvaire. C'est sérieux ce que je te dis là. Oh. Si poil, oublie jamais ça. On a déjà assez de misère. Viens pas nous en remettre par derrière. On a déjà assez de misère, viens pas nous en remettre par derrière. Calvaire. Bon, cher René, c'est à ton tour de te faire parler du monde ordinaire. En tout cas, je suis bien content que vous ayez ouvert vos oreilles et vos portes au monde ordinaire. En tout cas, je peux vous prédire que ce qu'on appelait déjà la majorité silencieuse, je peux vous dire qu'elle fait juste commencer à se mettre en ligne puis à faire la queue pour pouvoir te parler. Si un salaud est une terre, si tu te salis, mon salaud, tu n'éteras. Oui, monsieur l'évêque, j'aimerais ça jaser avec vous quelques minutes. Parce qu'il y a une affaire que je comprends pas dans votre affaire. C'est juste que vous voulez en venir avec votre idée d'indépendance. Parce que moi, je vais vous dire, dans le fond, là, bien sincèrement, oui, pas si mal que ça. Oui, pas si mal que ça. Prenez-moi par exemple. Je suis marié, père de 3 enfants, 2 de mariés. Je parle les 2 langues couramment. J'ai une maison toute finie de payer. La TV en couleur, un Hi-Fi stéréo, laveuse sécheuse, un cooler dans la cave, un char de l'année. Que c'est que vous voulez que je demande de plus? Je comprends que vous, monsieur l'évêque, vous n'avez pas tout ça. Je sais bien que comme journaliste, vous ne faisiez pas de gros salaires. Mais maintenant, là, avec le job que vous avez là, il n'y a pas de raison que vous ne vous payiez pas un peu de good time, vous aussi, là. Hein? Mettez un petit peu d'argent de côté, vous achetez une petite maison, peut-être. Peut-être bien vous marier, hein, comme Trudeau. Monsieur l'évêque m'a dit, il faudrait que vous vous arrangiez pour que vos bébés, eux autres, arrivent au monde le 24 de juin. En tout cas, monsieur l'évêque, il y en a une affaire que j'aimerais vous jaser, là. C'est à propos des tests. Voyez-vous, ma fille Loulou, ma plus vieille, elle a marié un Italien. Ils habitent Saint-Léonard, dans un beau bloc, ben des voisins. Ils ont 2 belles filles, 7 puis 5 ans. La plus vieille est en 2e année, l'autre commence en septembre. Bon, ils viennent de passer des tests, là. Ils ont été refusés pour entrer à l'école anglaise. C'est-tu si important que ça, les tests, monsieur l'évêque? Il me semble que ça leur fera pas de tort d'aller 2-3 ans à l'école anglaise. Pour le français, ils parlent aussi bien français que leur mère, pour leur mère, presque aussi bien que moi. Comme on dit, non abusis, tout lit aux hommes, les abus n'enlèvent pas l'usage. Mais vous, là, si ma mémoire est bonne, monsieur l'évêque, vous êtes né à New Carlisle. C'est ça. Bon. New Carlisle, entre vous et moi, c'est pas bien français, ça.
Mais vous êtes allé à l'école française. Puis vous parlez aujourd'hui un très, très beau français. Même des fois, on vous comprend peu. Comme on dit, etche homo, perinde et cadaver, aux grands mots, les grands dictionnaires. Mais, monsieur l'évêque, admettons voir pour une supposition, là, que vers l'âge de 8-9 ans, il vous aurait fait passer un test, pour entrer à l'école française, puis qu'il vous aurait refusé, puis qu'il vous aurait obligé d'aller à l'école anglaise. Vous ne sauriez peut-être pas où est-ce que c'est que vous êtes aujourd'hui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bon. Alors, j'aurais une petite faveur à vous demander, monsieur l'évêque. Je vous la demande à vous, la faveur, parce que, je veux dire, vous, je vous connais. Les autres, dans votre parti, je les connais moins, je suis impartial. Alors, ça serait-il possible, je ne sais pas si vous connaissez tous les employés dans votre bureau par leur nom, ça serait-il possible de demander, monsieur l'évêque, au gars qui passe la souffleuse chez nous, une espèce de grand codin, là, dire d'arrêter de pitcher sa maudite neige sale sur mon terrain. Calvinus de clousse! C'est pas des maudites faces, monsieur l'évêque. L'an passé, il y avait de la neige sur mon gazon jusqu'à la fin du mois de juin. J'ai pas pu sortir ma tondeuse avant le mois d'août. Ça me fait plaisir, monsieur l'évêque. Je vais y aller. So long, fin petit guidou. Puis comme on dit, morituri, t'es salutante, mais vous saluerez parce que ça me tente. Monsieur l'évêque, j'ai les mains blanches. J'ai les mains blanches parce que j'ai eu les mains dans l'eau toute ma vie. La crasse, puis le savon, puis le balai, ça me connaît. Pis c'est pas parce que j'avions les mains dans la crasse du monde que j'avions pas les oreilles dans leur conversation. Parce que j'avions entendu dire que vous vous êtes servi de la sagouine pour devenir membre du gouvernement. Rapport à mon balai, mon balai qui se trouvait partout pendant votre élection, sur les hards du monde, dans les journaux, puis à la télévision. Vous vous êtes servi de la sagouine, puis vous y aviez pas demandé. Ben, vous avez bien fait. Parce que vous y auriez demandé que vous auriez dit non. Un gouvernement propre. Voir si c'est Dieu possible. Je connais si on point votre expérience en décrassage. Mais, t'as vu que fumer comme vous fumez là, vous devez salir bien plus que décrasser.
Je peux bon point vous accuser d'être communiste, monsieur l'évêque. Mais je peux bon pas dire que vous êtes pas chrétien non plus. Rapport aux idées que vous mettez dans la tête du pauvre monde. Les illusions. Citoyenne à part entière. Takaware. Si j'étions citoyenne à part entière, monsieur l'évêque, dites-moi donc where, pourquoi c'est faire? Comment frigidaire y soyons pas remplis à part entière? C'est bien malaisé à dire, mais tout finit par passer, puis vous autres avec. Faut savoir garder sa place, chaque affaire à sa place, puis une place pour chaque affaire. Un haran n'a jamais rêvé d'être un arcan, puis le contraire non plus. Dans la mer, c'est au haran à stasser comme requin passion. Puis dans la vie, ben, c'est la même chose. Il y a des harans puis des requins. Puis moi, ben, c'est pas avec la denture que j'avais en là que j'allais commencer à être requin.